Non, 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 là vous êtes en train de vous chez moi. Vous êtes en train de vous chez moi. Insistez, vous allez voir si ça va pas tenir. À go. C'est le ministère de l'Intérieur. Attendez au moins les consignes. Attendez au moins de savoir ce qu'ils en pensent. Les consignes sont faites, monsieur. Non, 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 non. Bah, dans ce cas, vous dites que ça vient d'eux. C'est une décision de justice. Mais la justice, ça raconte n'importe quoi. Oui. Moi, ça arrive à me faire condamner à Nanterre alors que j'ai un dossier béton. Et le juge, il me dit, allez-y, défendez la contrefaçon sur votre dossier. C'est même le juge qui dit ça. Et qu'est-ce qu'ils disent? Ah, bah non, la contrefaçon, ça passe pas. Ah, ça passe pas. Et là, on me dit quoi? Moi, que je cherche de la notoriété? Ça fait 3 ans que j'ai pas fait télé. Ça fait 5 ans que j'ai pas fait télé. Parce que j'ai pas envie de me faire arnaquer par des escrocs. Voilà, c'est ça l'histoire. Et eux, par contre, ils essayent de commercialiser mon droit à l'image. Hein, mon droit à l'image. Pour en faire tout un tas de trucs derrière. Et me traiter de virus à la télé. Voilà. Et là, on y vient justement à aller faire du Rotary Club. C'est ça l'histoire. Voilà. C'est ça l'histoire. Et là, vous pouvez pas rester comme ça sans rien faire. Là, c'est pas possible. C'est pas possible. Là, ça dépasse tout. Et on peut pas faire un cambriolage comme ça chez les gens. C'est pas possible. C'est pas possible. Arrêtez, il est en train de taper ma mère. Il est en train de taper ma mère. Laissez-moi m'approcher que je filme. Allô? Allô, monsieur? Oui, j'ai besoin de joindre le ministre de toute urgence, monsieur Darmanin. On a un souci, on est en train de se faire cambrioler une maison par la police. C'est de mieux en mieux, avec le Rotary Club. Non, non, ça marche pas, ça marche pas, ça marche pas. Là, faut que ce soit le ministre qui prenne ses décisions. Non, non, mais là, c'est de la folie. Hein. C'est de la folie. Hein. Putain, heureusement que je fais pas d'impôts, parce que là, vraiment, ça me ferait chier. C'est une honte. Vraiment, c'est une honte. Je comprends les jeunes qui sont écœurés de voir ça. C'est une honte. Vous savez, quand même, c'est moi qui ai créé les Gilets jaunes. Vous savez, quand même, qu'ils ont récupéré ça. Et, oui, oui, ils ont récupéré ça, et vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Pour faire du fichage depuis Israël. Attendez. Non, 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 mais allez-y, vous pouvez me filmer. Hein. Oui, c'est pour les. Allô, vous m'entendez? Territoriaux. Allô, vous m'entendez? Bah, je sais, je suis fiché à ça. Vous êtes monsieur? Monsieur Boulanger, j'ai créé le mouvement des Gilets jaunes. Voilà. Et ça a été récupéré, tout ça. Ça a été récupéré. Et comme par hasard, les fichages, ils sont depuis Israël. Voilà. Et qu'est-ce que fait la police avec ça? Okay. Rien, rien. Et qu'est-ce qui me dit que moi, ça arrive pas dans des fichiers de vaccination avec des thérapies géniques, comme on est en ce moment? Qu'est-ce qui me dit que vous servez pas de ce mouvement-là pour vous débarrasser des gens qui sont comme ça? Hein? Qu'est-ce qui me dit que ça, vous faites pas ça? Wow. Qu'est-ce qui me prouve quand je vois ça? Qu'est-ce qui me prouve? Contredisez-moi. Là, je tombe des nues. Bah allez-y, bah tombez pas des nues, contredisez-moi. Ouais, là, ouais. Prenez des arguments. Là, voilà. Vous m'en apprenez. Allô? Prenez. Le créateur des Gilets jaunes. Putain, je suis. Allez, bah, ça se voit. Ça, on le voit l'acharnement politique sur moi. Il va falloir que je fasse un rapport d'information pour mes collègues. Ce sera sur internet, hein. Il va y avoir de la bande. Hein. Allez, j'ai besoin de voir comment elle va. J'ai besoin de voir comment elle va. Je vous demande. J'y vais calmement. J'ai besoin de voir comment elle va. Non, j'en sais pas. Elle est là-bas. Vous êtes pas calme depuis le début, monsieur. Là, je demande d'aller voir. Allô? Oui, monsieur, bonjour, monsieur. J'ai besoin de joindre le ministre de toute urgence. Dites que vous êtes le fondateur du mouvement des Gilets jaunes. Mais ils savent très bien, ils savent très bien. Non, mais très bien. Ils savent très bien, mais ça ne aidera pas, certainement pas. Ça aidera pas du tout. Bah si. Mais non, ça aidera pas. Qu'est-ce que la police, direct, hein. La police, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a saboté mes plaintes depuis le début. Voilà, c'est ça qu'elle a fait, la police. Voilà, toutes mes plaintes depuis 5 ans, c'est saboté en permanence. Vous jamais, c'est toujours classé. Toujours classé sans suite. Voilà. Vous renvoyez la balle avec la justice. Demandez à voir plus haut, hein, tant qu'à faire. Allez, j'ai besoin de m'approcher, je vais. J'ai besoin d'aller voir mes affaires, celui. J'ai besoin d'aller voir mes affaires. Vos affaires vont bien. Non, non, mes affaires vont pas bien, mes affaires sont volées. Je vous dis, j'ai des décisions de justice, putain. Il faut que je voie ça. J'ai besoin de voir ça. Monsieur. Allez, j'ai besoin de voir ça. Monsieur, maintenant on va discuter intelligemment. Bah dites-moi. Dites-moi, qu'est-ce que vous allez me reprocher? Non, je filme. Je reste là, je filme. Depuis le début, vous ne cessez de me bousculer, monsieur. Non. Depuis le début, je veux rentrer chez moi. Je veux récupérer, c'est depuis du vol. Depuis le début, c'est monsieur. Du vol. Je suis en train de tout filmer. Voilà. Arrêtez un peu. C'est du vol. C'est du vol. On peut parler sérieusement. Non, par contre, on peut parler sérieusement. Je vous écoute. Ça fait une demi-heure que vous me bousculez. Parce que vous m'avez pas laissé 20 minutes pour aller prendre mes affaires. Non, je vous explique. Je vous explique. 20 minutes pour aller prendre mes affaires. Je vous explique. 20 minutes. Depuis une demi-heure, vous me bousculez, monsieur. Ça s'appelle des violences. Non, pas du tout. Si, ce sont des violences. Non, pas du tout. Et vous êtes filmé, monsieur. Vous avez pas pris un coup de poing ni rien. Arrêtez de mentir. Vous me bousculez, monsieur. Moi aussi, je filme. Non. Vous me bousculez. Non. Je veux voir comment me va ma mère. Bousculer un fonctionnaire de police, ça s'appelle des violences. Donc vous allez finir avec moi à l'hôtel de police en garde à vue. Vous me menacez. Vous me menacez. Non, je vous explique ce qui va se passer. Je vous explique ce qui va vous se passer. Vous êtes en train de me menacer. Si allô, vous continuez quand je suis à laissez-moi rejoindre le ministère au téléphone. C'est ce qui va se passer, laissez monsieur. Laissez-moi rejoindre le ministère au téléphone. Vous n'êtes pas au-dessus du ministère de police. Je suis patient, mais je demande juste monsieur. À avoir la réponse du ministère de police.
Je demande juste à avoir sa réponse. C'est tout ce que je demande. Je demande que ça. Je veux la responsabilité. Vous vous calmez, vous arrêtez de me bousculer. Je demande. Compris. Je demande la responsabilité. Compris. Je vous demande. Oui, mais laissez-moi parler. Vous avez compris. Laissez-moi parler. Vous avez compris. Laissez-moi parler. Vous arrêtez de me bousculer. J'ai compris, mais je demande la responsabilité du ministre dans ce qui est en train de se passer. Voilà. C'est tout ce que je demande. Et vous restez là. Vous restez là pour votre coup de fil. Et vous arrêtez de me bousculer. Mais ils répondent pas. Vous voyez bien qu'ils répondent pas. Ils en ont rien à foutre. C'est une évidence qu'ils vous répondent pas. Puis là, par contre, ils peuvent se garer là, tranquille. Allez, je vous demande, je vous assure, j'ai des affaires importantes. Je reste calme, mais il faut que je pousse mes affaires. Vous restez calme depuis le début, vous me bousculez, ça fait une demi-heure. Laissez-moi, c'est tout ce que je vous demande. C'est un ça fait une demi-heure, monsieur, vous me bousculez. Tout à bah, allez, vous il y a des gens au bout de deux minutes qui se retrouvent avec les menottes dans le dos. Alors maintenant, vous arrêtez. Vous savez rien à me reprocher, vous savez que c'est illégal ce qu'ils sont en train de faire. Ils ne pouvaient pas faire de constat. Regardez, il y a 3 mètres de dénivelé. C'est pas possible. Ils ont arnaqué la justice avec ça. Et ils voguent des pots de fleurs, ils voguent des fleurs. Voilà, c'est ça qu'ils sont en train de faire. C'est une honte. C'est une honte que vous toleriez ça. C'est une honte. Ça va être sur internet là tout ça. Ça va être sur internet. Les huiles, des bidons d'huile. Allez, des bidons d'huile. Mais vous vous rendez compte de l'image que vous allez rendre? Vous vous rendez compte de ça? Moi, on peut rien me reprocher. Moi, ça fait des années que je suis en procès. Ça fait des années. Voilà. Ça fait 7 ans que je suis en procès. Qu'on me pille, qu'on se fait des millions sur mon dos. Des millions. Et là, contre Hanouna, par contre, là, il n'y a personne qui moufte. Là, je la police vraiment le petit soin. Ouais. Ouais. Même BFM, vous savez ce qu'ils disent sur vous, BFM? Mais allez-y, je vous en prie. Je peux vous dire sans outrage? Je vous en prie. Vous n'allez pas me le reprocher? Bah non, si c'est BFM qui le dit. Voilà, bah ils vous appellent le bon vieux petit toutou. Voilà. C'est ça qu'ils disent. Très bien. Voilà. Voilà. Bravo. Très bien. Voilà. C'est une honte. C'est une honte. C'est une honte que moi j'accepterai pas. La police. Mais non, mais ils en ont rien à foutre. Bah là. Et Israël derrière, ils en ont rien à foutre. Ah, il y a Israël qui est derrière. Bien sûr que oui. Et Drahi, c'est une montagne de dettes. Allez, laissez-moi juste récupérer mes affaires. Je vous en prie, laissez-moi récupérer mes affaires. C'est pas possible, j'ai des décisions de justice dedans. C'est pas possible. J'ai mon permis de conduire, on va me voler mon permis. On va me voler mes papiers. Mes papiers, ils sont juste. Je sais où ils sont, mes papiers. Il faut que j'aille voir. Bah, laissez-moi voir. Vous pouvez être dans votre maison? Non, c'est pas possible. Non, mais regardez, non, mais. C'est pas possible que vos papiers soient dans votre maison. On ne vient pas piller une maison. On ne vient. C'est pas possible. C'est pas possible. Allô? Allô? C'est pas possible, quoi. C'est pas possible. C'est du délire. Qu'est-ce que c'est que cette époque, quoi? Et vous, les thérapies géniques? Si vous en pensez? Et tous les effets secondaires, 500 000 effets secondaires, c'est... Bon. Non, non, les pots de fleurs, les pots de fleurs. Mais laissez-moi. La thérapie hygiénique des pots de fleurs. Non, mais faites pas de parallèle. C'est parce que voilà, ça s'est passé en même temps. Les thérapies géniques, bien sûr que vous. Panamza, vous connaissez c'est Panamza? Tout est détaillé dessus. Voilà. D'accord. Vous arrivez voir? Vous êtes un peu un complotiste. Non, pas du tout. Non, ça c'est facile. Ça c'est facile quand on n'a pas d'autres arguments. Ça c'est facile. Non, allô? Allô? Laissez-moi me rapprocher de ma mère, je veux voir ce qu'elle devient. Elle est partie chez la voisine. Non, elle est partie chez la voisine, c'est bon. Allô? Non mais là c'est pas possible, on peut pas piller chez les gens comme ça. Vous m'étranglez, vous me faites mal. J'ai besoin d'aller récupérer mes affaires. Arrêtez de forcer, monsieur. Vous en plus, vous êtes en train de tamponner le camion derrière. Mais laissez-moi récupérer mon permis de conduire. Je veux récupérer mon permis de conduire. C'est trop tard. Non, c'est pas trop tard. Là, c'est du vol. Non, c'est du vol. Là, donc, si je porte plainte pour vol, vous allez dire quoi? Oh non, c'est légal. Voilà. Y a pas un déchet, y a pas un rat, mais c'est légal. Hein? Non, c'est arrêté. Tout ça, c'est parce que vous m'avez en travers, c'est tout, voilà. Vous m'avez en travers sur tout ce qui se passe depuis des années, puis c'est tout. Voilà. Mais après le directeur, après au moins monsieur Belin, voilà, qui le dise clairement, eh ben écoutez, on fait ce qu'on veut chez vous, et puis c'est tout, voilà. Voilà, c'est tout. Et après monsieur Belin, qui le dise, monsieur Belin, voilà. Non, mais je vais rester comme ça sans rien dire, moi c'est pas possible. Mais c'est pas possible, voilà. Bah arrêtez, bon sang, bah arrêtez, vous me faites pas en plus. Bah arrête de bouger alors. Mais oui, mais je te demande juste à récupérer mon permis de conduire, bon sang. Arrêtez. Oui, bah je vais récupérer. Bon, allez. Assieds-vous. Ne faites pas. Assieds-vous. Voilà, vous restez assis. Maintenant. Tu peux m'ouvrir le véhicule pour prendre mon téléphone? J'arrive. Non, mais c'est de la fouille. C'est pas possible. Laissez-moi récupérer mes affaires. C'est tout ce que je vous demande. C'est tout ce que je vous demande, c'est que je récupère mes affaires. Non, vous pouvez pas m'imposer ça. Non. J'ai besoin de me lever, je vous dis, c'est pas possible, j'ai mal au tendon. J'ai des tendinites, c'est pas possible, je peux pas rester par terre. Si, j'ai des tendinites. Si vous avez des tendinites, il faut rester chez vous. Il faut que je me mette en haut, c'est pas possible. J'arrive pas à respirer. Allô? Oui, bonjour madame. J'ai besoin de joindre le ministre de toute urgence. On a un pillage d'une maison qui est faite avec le Rotary Club, avec le concours de la police. Il reste tout faire. C'est pas possible. Je suis en train de tout filmer depuis tout à l'heure. Il vogue des pots de fleurs, il vogue des jardins.
faut que je me lève. Je vais sortir, j'arrive pas à il faut que je me lève. Non, 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 mais là, faut que je me lève. Si, 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 je serai mieux debout. Je serai mieux debout. Je serai mieux debout. Non, 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 non. Ah, les pompiers. Les pompiers. Non, 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 vous, non, non, vous allez en profiter pour que je parte. Non, non, non. Non, non, vous allez me faire partir. Non, mais restez. Restez à terre si vous sentez pas bien. À go. PLS, non, monsieur, monsieur. Non, non, je me lève, non, non. Je me dis, je me sens non, pas bien. PLS, il faut que je me lève, je me sens pas bien. Mais non, monsieur, ça changera rien. Mais si, je me sens pas bien. J'ai la tête qui tourne. Non, justement, il faut que je me lève. Monsieur, pour votre sécurité. Mais regardez, ils sont en train de tout voler. Non, mais c'est pas possible, monsieur, quoi. Pas mais des bâches, en plastique, mais arrêtez. Mais arrêtez, quoi. Ce sera tout propre. Ouais, c'est ça. Ce sera tout propre. Pourquoi? Aïe, mais vous me faites mal. Mais là, c'est même gobé. Ah si, vous restez. Ce sera propre pour quoi? Bah, vas-y. Pour venir quoi? Pour venir vendre un immeuble, après ici. Non, mais arrêtez, mais arrêtez, mais laissez-moi. Allô, il n'y a pas d'agression. Allô. Putain, c'est quoi ce. Faut que je me lève. Mais je vous dis, faut que je me lève. C'est quoi ce pays de merde? C'est quoi ce pays de merde, quoi?